C'était long. C'était long quand même, hein, cette course. C'est l'un des pires Grands Prix de Bakou de l'histoire, je pense. Il s'est rien passé. À part De Vries, effectivement, qui s'est crashé tout seul, comme un débutant qu'il est, en Formule 1 du moins, qui a provoqué un safety car. Le reste, les trois quarts de la course étaient nuls. Oh là là là. Bon, Pérez au moins, bah, il s'est imposé face à Max, à la régulière en plus. Max n'a pas été capable de revenir sur lui. Donc bravo Sergio. Leclerc troisième, devant Alonso. Au final, Alonso, il revenait fond sur lui en fin de course, mais il n'a pas eu l'opportunité de le dépasser. Sainz, pareil, Hamilton revenait à fond sur lui, mais pareil, manque de VMAX hein, sur la Mercedes malheureusement. Donc il n'a pas pu le dépasser, il reste sixième, Lewis. Stroll septième, Russell huitième. Meilleur tour pour lui, il s'est arrêté en fin de course pour faire le meilleur tour, prendre un point à Max. Norris 9e devant, Tsunoda, Piastri, Albon, Magnussen. Gasly donc, stratégie décalée chez Alpine et fini devant Ocon au final, qui s'est arrêté dans le dernier tour, Ocon, tout comme Hülkenberg, quasiment. Sargeant donc 16e devant Hülkenberg et Bottas, ces deux abandons de la course, Joe et De Vries. Eh bah, ben franchement, décevante cette course. Chiant, très chiant. Dommage, on pouvait s'attendre à mieux. Hein. Je suis un peu déçu là quand même. Bon, au final, ça met un peu de piment, un peu de suspense au championnat, mais bon. Ouais, pas terrible quand même.